Bon, bonsoir. C'est enfin fini. Je vais pouvoir faire une vidéo, je vais pouvoir m'exprimer, prendre la parole. Je voulais attendre que Nabil termine sa story. Voilà, par respect, je ne l'ai pas fait au milieu, etc. Donc je vais enfin pouvoir m'exprimer. Je vais revenir sur le Tarantino, sur l'histoire incroyable qui a été dite. Et voilà, je vais faire le point avec vous sur pas mal de choses. Bon, désolé, ma fille a vu un monstre sous le lit. Donc voilà, il y a quelques jours, on m'a envoyé une story d'un blogueur que je connaissais pas, j'avais jamais vu, je connaissais pas, etc. J'étais totalement en désaccord avec tout ce qui a été dit dans la première version de cette story. Et donc il se trouve que je connais quelqu'un qui connaît les équipes du blogueur et ils ont du coup, communiqué ensemble. Et il a trouvé qu'effectivement, comme il l'a dit, il était important d'écouter une deuxième version par rapport à certaines choses. Donc, j'ai beaucoup réfléchi parce que j'ai tout de suite compris d'où ça venait, j'ai tout de suite compris qu'il y avait un souci. Donc, je me suis dit, bon, j'y vais pas, j'y vais. Donc voilà, donc je me retrouve à faire un rendez-vous avec un blogueur. Alors lui, voilà, lui, pour faire simple, hein, moi je suis arrivée, je lui ai dit tout de suite, je lui ai dit, écoute, bon, moi je pense qu'on t'a payé, j'ai vu ça, je trouve ça chelou. Bon, écoute, c'est quoi, moi je vais te raconter mon histoire. Donc lui m'a dit, non, c'est pas ce que tu crois, etc., etc. Qu'on se croit ou qu'on se croit pas, je vais vous dire, c'est même pas le plus important, puisque moi, aujourd'hui, les gens qui ont cherché à me nuire, ils sont passés par lui, mais ils auraient pu passer par Pierre-Paul Jacques. C'est pas lui que j'incrimine. Aujourd'hui, vous êtes beaucoup à me dire, ouais, comment ça, lui, hein? En réalité, lui, je m'en fous, en fait. Il fait comme il me dit, il fait son taf, il prend son buzz. Voilà, les gens lui ont donné ça à lui, ça aurait pu être à un autre. En vrai, voilà, quoi. Voilà, donc je pars à ce rendez-vous en sachant très bien que bah, d'où ça vient. Je sais très bien à peu près qui sont les protagonistes. Déjà en voyant sa story avec tout ce qu'il a mis en photo, la première story, mais des photos, je sais très bien les seules personnes à avoir certains éléments, je sais très bien qui c'est. Donc j'arrive au truc en sachant plus ou moins, bon, il va me dire, il va me montrer, et après ça va, j'ai une confirmation. Mais je sais déjà, je veux dire, je tombe pas des nues, genre, waouh, mon Dieu, j'ai été trahi par telle personne, ou genre, c'est un truc. Pas du tout. Moi, je vais le voir pour lui dire, si tu n'es pas payé, je pense qu'on te manipule. Voilà, en gros, c'est ça le truc. Maintenant, je vais juste revenir sur un point. Avant que je vous explique tout ce qui a été dit, je vais juste vous raconter un petit peu ce qui s'est passé donc dans ma vie, pas tout par rapport à mon ex, etc. Mais ces derniers mois, il faut savoir que j'avais des amis très proches, dont une personne qui vivait avec moi ici. Ici, là, les derniers mois. Bon, c'était mon meilleur ami gay, hein, donc je vous dis avant que vous commenciez à vous dire je sais pas quoi. Et une de mes meilleures amies qui était également très proche de moi, donc que Nabil a cité dans sa story, Tatiana et Roro. Les meilleures amies pour la vie. Donc ces gens-là, en fait, ont eu un comportement bizarre depuis quelques mois déjà. Et il y a eu un éloignement qui s'est fait. Vous allez comprendre pourquoi je vous explique tout ça. Et c'est vrai que moi, j'ai pas compris en fait leurs raisons, j'ai pas compris ce qui a mené en fait à ce que d'un coup il y ait cette cassure et cette cassure simultanée. Parce qu'on peut, si vous voulez, dans la vie, les amitiés se font, se défont, les histoires d'amour se font, se défont. Donc en parallèle de ça, j'apprends que bah voilà, il y a quelqu'un qui vient me voir, qui me dit Linda, écoute, fais attention à toi. Il y a des gens qui essayent de détruire ta vie. Ils sont en train d'essayer de rallier toutes les personnes qui sont autour de toi à leur cause. Et fais attention parce que la Tatiana en question, bah, elle parle avec la famille de Caris. Donc la famille de Caris, il n'y a aucune raison que Tatiana elle parle avec la famille de Caris en fait. Puisque c'est ma BBF. Donc je l'appelle, je lui pose la question, est-ce que tu as des contacts? Elle me dit non, jamais de la vie. Moi j'en viens presque à douter, à dire aux gens, ouais, arrêtez avec vos ragots, etc. Et puis dans le doute, j'appelle quand même la personne concernée, je lui dis, est-ce que tu parles avec ma meilleure amie en fait? Et la personne me dit, tu devrais le savoir, c'est ta meilleure amie. Donc là, je la rappelle, je lui demande des explications et elle me pond un truc du genre, oh, elle voulait prendre des nouvelles, etc. Ça fait longtemps certainement des années, qu'on s'était pas vu, je sais pas quoi, elle me sort, je vais prendre des nouvelles. Ok. Je redemande à l'autre personne concernée qui me dit, on a une amie en commun et il y avait une histoire par rapport à elle, mais ça ne te concernait pas, donc c'est pour ça qu'on ne voulait pas en parler, etc. Donc deux versions, j'ai dit, bon, ok, c'est bon, j'ai compris.
Donc voilà, je vous pose les bases pour que vous compreniez, c'est très important parce que c'est primordial dans cette histoire. Donc j'en suis au stade où la Tatiana et le Romain, on ne se parle plus. Ils ont clairement, on va dire, ils m'ont clairement tourné le dos sans raison. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu de véritable raison pour que tu vois cette... C'est des vieux trucs, en fait, tu te dis, mais attends, les gens, ils sont chelous, en fait. Et puis, pourquoi ils parlent avec la famille de Caresse, en fait? C'est quoi le rapport, en fait? Je comprends pas. Mais c'est pas grave. Et là, je vais vous dire un truc de ouf que moi, je me suis dit, en fait. Donc là, je pars vers le rendez-vous pour aller au restaurant avec Nabil et je suis dans la voiture et je suis en train de conduire. Et là, je suis dans la voiture et je suis en train de réfléchir et je suis en train de rigoler parce que je me dis, je suis en train de vivre quoi, là? Je vais à un rendez-vous avec un blogueur. En fait, là, tu vois, je suis en train de réfléchir et je me dis, mon ex, Caris, le rappeur Caris, le mec des en-cliques, des os, de la calage, du truc, du nanana, le mec, il a un problème avec son ex-femme, il appelle un blogueur. J'ai pas compris, je me suis dit, en vrai, là, je suis en train de vivre un truc de ouf, mais jamais de ma vie, j'aurais pensé que le mec puisse tomber aussi bas, en fait. Ça veut dire là, le gars, il s'est dit, ouais, j'ai des problèmes avec elle, nanani, nanana. Il appelle un blogueur, un mec qui fait des trucs de télé-réalité, de je sais même pas quoi, parce que j'ai même pas regardé au final tout ce qu'il faisait, on m'a montré, etc. Mais gars, t'appelles un blogueur. Donc voilà, j'arrive au rendez-vous. J'ai rendez-vous, c'est incroyable. Et on commence à parler, etc. Et je lui dis tout de suite, je lui explique tout de suite, je lui dis, voilà, je vais être très sincère avec toi. Moi, ce qui m'a touché de ouf, mais vraiment de ouf dans cette story, c'est qu'on parle de ma fille, en fait. Parce que, encore l'autre, il appelle un blogueur parce qu'il a plus de force, il veut me mettre à terre, il sait plus quoi faire. Bon, il n'y a pas de problème. Mais putain, ma fille, quoi. Ça veut dire que moi, aujourd'hui, je suis mère célibataire, je me tape comme je peux. Ma fille, j'essaie de l'élever du mieux que je peux. Je pense que c'est une petite fille qui est un amour, qui est bien élevée, qui a des très bons résultats à l'école, qui a beaucoup souffert aussi de tout ce qui s'est passé et qui, voilà, avec son petit cœur, elle essaye de vivre sa petite vie d'enfant, etc. Et moi, je fais du mieux que je peux. Donc franchement, je lui ai dit, t'as vu, quand j'entends ce que t'as dit, moi, je suis pas corda. En vrai, je suis même pas là vraiment pour moi à se rendre. Donc, je suis là, à ce moment-là, en fait, je suis pas là, Linda, l'ex de machin, non, non, je suis la maman, en fait. Et je lui dis, t'as vu, ça m'a touchée de ouf. Et c'est vrai qu'on a parlé, très longtemps, lui et moi, et je vais pas m'en cacher, j'ai eu des montées d'émotions parce que se retrouver en face d'un mec que tu connais pas à justifier que t'es une bonne mère, je vous jure que c'est un truc jamais dans ma vie j'aurais cru qu'on me fasse ça. Mais c'est pas grave. Moi, je suis une battante, je suis en face de lui et je lui dis, voilà, regarde, ma fille, elle va à l'école tous les jours. Elle a 7 jours d'absence sur toute l'année, donc c'est une grippe et un machin. Il n'y a pas d'histoire de je pars en vacances et je l'emmène et elle rate un mois d'école. Et puis d'ailleurs, ouais, ce qui paraît, Caris, il me paye des vacances. Ben, franchement, on les attend, tes vacances. Hein. Donc voilà, je suis au resto avec lui. Et là, il me montre. Alors voilà, on m'a envoyé ça. Alors il me dit, tu sais, il me dit, tu vas tomber de haut. Je pense savoir qui c'est et tout. Et là, je lui dis, et bon, c'est presque on rigole, tu vois. Genre, je lui dis, mais attends, je vois tout de suite d'où ça vient. Je veux dire, ce retournement de situation depuis plusieurs mois, plus le truc qui est balancé à contre moi, je vois très bien d'où ça vient. Maintenant, voilà, clairement, ce qu'ils ont fait en termes d'envoi de trucs personnels, des photos de moi, genre à un moment là, je suis dans ce canapé là, je suis en soutif, des photos de moi où, enfin voilà, des trucs. Ils ont tenté, ils ont cherché à me détruire en fait, comme il disait le Roro, genre je vais me suicider quoi, tu vois, genre, mais en fait, sauf qu'en fait, pas du tout, les gars, mais pas du tout, du tout. Ah non, non, non. Alors moi, je vais parler. Voilà, j'ai été douce, j'ai été gentille, je vous ai les choses, mais maintenant je vais vous parler très 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 français. Maintenant il me parle d'un truc de ouais, t'aurais eu un mec depuis 3 ans, je sais pas quoi, etc. Alors moi je vais vous expliquer déjà les dates parce que le gars on lui a raconté que de la merde. Je suis séparée de Caris, enfin il s'est barré de la maison depuis le mois d'août 2020. Ok,
Donc la personne en question dont on me parle, je lui montre sur mon Instagram que je lui reparle depuis le mois de août 2021, donc presque un an après. Donc maintenant, il me dit « Ouais, mais quand même, t'as vu, c'est chelou, nanana. » Je vais vous expliquer quelque chose. J'ai 39 ans aujourd'hui. Je ne pense pas devoir des comptes à qui que ce soit. Je ne vais certainement pas raconter ma vie privée à qui que ce soit. Et j'en ai strictement rien à foutre, que ça plaise ou pas à qui que ce soit. Bon voilà, après ça me parle aussi, t'aurais eu un copain là-bas en Guadeloupe, t'aurais eu ça. Ouais, et alors? Et alors en fait? Mais c'est quoi votre problème en fait? C'est-à-dire que vous trois là, les Caris, Tatiana, Romain et je sais pas qui, vous vous êtes fait des petites réunions, vous vous êtes assis autour d'une table et vous vous êtes dit « Ah celle-là on va se la faire et tout parce que là c'est chaud, parce que Caris tu sens la patate arriver et tu le sais très bien. » Donc tu t'es dit « Voilà, elle tant pis c'est la mère de ma fille mais je vais aller l'enterrer sur internet devant tout le monde. » Mais tu crois que t'as enterré qui en fait? Les gens ils en ont rien à foutre de ma vie à moi en fait. En fait ce que tu comprends pas là c'est que t'es en train de te foutre la honte à toi-même. T'as sorti des trucs, tu m'as fait passer pour une timbre, tu m'as fait passer pour une mauvaise mère, tu m'as fait passer pour quoi encore? Ah oui, la sécurité. Alors, c'est ça le truc de Tarantino, vous allez rigoler. Hein. Maintenant, concernant tout ce qui est la sécurité, il s'est passé des trucs chez lui ou je sais pas quoi, etc. Moi, je vais vous expliquer un truc. Dans la maison, là où je vous parle, là où je suis, là aujourd'hui encore, on s'est fait cambrioler 4 fois. 4 fois. C'est pas des lol, c'est 4 fois. Dans la maison où on était avant l'appartement, on a eu une tentative de cambriolage. Ma fille, elle avait 6 mois. Il y a des mecs qui sont venus chez nous, ils ont tiré sur nos voitures. Ils ont tiré sur... il avait une Panamera à l'époque, fusil à pompe dans le moteur, fusil à pompe dans ma voiture, tag sur les murs, Caris, la prochaine, elle est pour toi. Ma fille, elle avait 6 mois, je l'ai mise dans un cosy. C'était le lendemain de Noël et on nous a forcés. Ma fille et moi et lui, ouais non, faut pas rester là, etc. On a fui comme des rats. On s'est retrouvés à se cacher dans des appartements. On s'est retrouvés à fuir en fait quoi. Et mon appartement, je l'ai laissé comme ça. Ça veut dire qu'en vrai, je me suis tapé un Airbnb pendant des mois et des mois et des mois et des mois le temps de trouver cette maison. Maintenant, une fois qu'on a trouvé cette maison, on est posé ici, on se dit ouais, c'est cool, tout va bien, etc. Ben non, en fait, ça recommence les cambriolages, les trucs, les machins. En fait, le problème, ce n'est pas le lieu. Le problème, ce n'est pas l'endroit où tu vis. Ce n'est pas le problème, c'est Caris. C'est qu'en fait, le problème, c'est ce mec-là, en fait. C'est que ce gars-là, il a toujours eu des ennemis, il a toujours eu des problèmes. Et que ce soit... Donc en fait, les 4 cambriolages qu'il y a eu ici, dis-moi, c'est qui? C'est ton ex? T'as une ex folle comme moi qui t'en veut? Sans déconner, putain. Non, mais au bout d'un moment, je veux dire, ok, peut-être, t'aurais pu dire, ouais, il y a eu un truc chez moi, c'est chelou. Oh, tu m'as mis sur le dos. Je savais même pas que t'as été cambriolée, tu vois, comme quoi je t'avais dit, en fait, le problème, c'est pas le lieu, c'est toi, mais tu m'écoutes pas. Donc, en fait, t'as dit, t'as des cambriolages, t'as des ceci, t'as des cela, t'as des cela, et tout, c'est moi, en fait. Bon, ok. Enfin, non, pardon, excusez-moi, tu n'as pas dit. Le blogueur a dit, autant pour moi. Ouais, donc des trucs que t'as envoyés au gars pour qu'il les poste pour toi, etc. Donc, voilà, moi, en fait, c'est quoi, je te reconnais plus, frère. Mais il est où le mec thug et tout ça, là? Je sais pas, alors soit c'est moi, porte plainte, soit tu te dis peut-être c'est un tel ou un tel ou machin, là, bah, donc t'es dans la street, bah, porte les coronets et va voir les gens que tu penses, etc. Mais sinon, mais t'affiches pas à... En fait, tu fais un truc de victime, là. Je comprends pas, en fait. Je comprends pas du tout. Mais bon, bref, fais ce que tu veux. Bon, à la limite, moi, j'en ai rien à foutre. C'était éclaté au sol. Entre nous, hein. Franchement. Bon, bref, tout ça, tralala, pour au final, voilà quoi, t'as essayé de me. Je sais même pas ce que t'as essayé de faire en fait, je trouve pas les mots, mais sache que c'est vraiment pas efficace. Tu m'as juste donné de la force là en fait, parce que je me dis quoi? Je me dis, ah ouais, t'es vraiment prêt à tout, à tout, à tout. Ça veut dire que même la mère de ta fille, t'as plus la notion de la réalité en fait. Mais est-ce que tu as pensé juste à un truc? Parce que je pense que tu n'as pas pensé, donc je vais te le dire. Je sais pas si tu sais, mais ta fille, elle va avoir 6 ans. Elle va avoir 6 ans et déjà à l'école, aujourd'hui, on lui parle de toi. On lui dit, oh, parce qu'évidemment, on la reconnaît, parce qu'évidemment, voilà, on sait que c'est ta fille. Et déjà, on lui dit, ouais, ton papa, ceci, cela. On lui a déjà dit, ouais, ton papa, il s'est fait taper par Booba, machin et tout. Déjà, c'est relou. Tu vois ce que je veux dire? Déjà, c'est relou tout ça.
Mais là, est-ce que tu as réfléchi dans quelques temps, quand elle va grandir, quand elle va pouvoir regarder ce qui se passe, etc. Tu as mis sa mère en pâture de... Bon, bref, tout ça pour dire quoi? Maintenant, je vais vous expliquer le pourquoi du comment. J'ai mis un message il y a quelques jours sur les réseaux. J'ai dit, voilà, après une énième manipulation, gna gna gna, les gens, ils ont pas compris. Mais Linda, tu parles pas, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi d'un coup, nanana? En fait, c'est pas d'un coup, les gars. En fait, ça fait 2 ans. Ça fait 2 ans que je suis chez moi. Je me bats, je subis, je me tais. J'ai protégé quelqu'un, en fait. J'ai protégé quelqu'un. J'ai protégé une carrière. J'ai protégé des familles. J'ai protégé, en fait, j'ai protégé tout le monde, en fait, que ce soit lui, nos familles respectives, ma fille. J'ai eu une patience que personne n'aurait, en fait. Bon, maintenant, je vais vous raconter mon histoire pour que vous puissiez comprendre. Je vais essayer de la faire courte. Voilà, en gros, Carrie, je le connais depuis 2002. On s'est mis ensemble en 2007 à peu près. Quand je l'ai connu, il était à la cité, chez sa mère. Donc, pas connu, pas d'argent, pas de travail, pas de rien, pas de voiture, rien du tout. Bref, je le précise pourquoi. C'est pas grave du tout. C'est pas, on s'en fout de tout ça, mais. Parce que quand j'entends, ouais, t'es une michto de rappeur, t'as bien profité de son oseille, des trucs comme ça, moi ça me fait délirer en fait. C'est pas grave, je vis pas pour les gens, je m'en fous, mais je le précise puisqu'aujourd'hui on me met en pâture dans les réseaux, donc j'explique les choses. Voilà, donc très vite je prends un appartement, je paye un loyer conséquent, donc il faut absolument que je travaille, voire un, voire deux travail parce qu'on est à la maison et je lui dis. Et je l'assume, hein, c'est pas lui qui a choisi de forcément pas travailler, etc. Mais je lui dis, voilà, je pense que tu as du talent, j'en suis convaincue, tu vas réussir, c'est sûr, etc. Mais c'est vrai qu'il fallait qu'il se consacre à la musique à 100%, sinon c'était difficile en fait de pouvoir réussir dans ce domaine en fait. Voilà, donc je commence à trimer. Il faut quand même que je vous explique, à ce moment-là, j'ai 25 ans. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, je suis un âge où les meufs, elles kiffent la vie, elles sortent, machin, machin, machin. Et moi, je travaille la journée, je travaille le soir, je travaille le week-end. Donc, juste pour vous expliquer, en fait. Donc, je fais ça et je ne le regrette pas aujourd'hui, tu vois. Je l'ai fait à ce moment-là, je l'ai fait. Et si c'était à refaire, je le ferais, ce n'est pas un souci. Donc, on procède comme ça. Et puis, passe comme, voilà, vous l'avez peut-être entendu, 1 an, 2 ans, 3 ans, etc. Cette période, en réalité, elle dure de 2007 à 2014, plus ou moins. Parce que en 2013, il y a Or Noir qui sort, et là, il commence à gagner de l'argent, etc. Et je m'arrête de travailler mon dernier taf. J'ai regardé ma dernière fiche de paye, je crois qu'elle est en décembre de 2013 ou un truc comme ça, janvier 2014, je ne sais plus exactement, de mon dernier taf que j'ai fait, etc. Voilà. Donc, 14 ans de vie, les 7 premières années. Bon, suite à ça, on prend un appartement, je tombe enceinte, un appartement qu'on prend en crédit à deux. Donc, déjà, tout ce que je vais vous dire, j'ai les papiers, j'ai les trucs, j'ai les noms, mais moi, j'aime pas couper le truc pour poster un truc, je sais pas faire, c'est pas mon métier, je suis pas blogueuse, moi, je vous parle à cœur ouvert. Voilà, après, s'il faut, bah, je vous posterai des trucs, ça me saoule, mais je vais le faire, c'est pas grave. Voilà, donc on prend un appart à deux, crédit LCL, vous voulez les détails, vous les aurez. Et ensuite, bah, quand on se fait canarder, moi, j'ai tout eu, hein, des menaces, des trucs, des mots. C'est pas grave. On part le Airbnb et on achète cette maison en vendant l'appart, ce qui nous permet d'avoir un autre crédit. J'ai montré les papiers à la personne de la maison qui ne vaut pas un demi-million d'euros, mais 360 000 euros, qui nous appartient à 50-50. Retenez bien ça parce que je vais vous dire un truc de ouf après. Voilà, donc j'ai mon enfant, je suis mère au foyer, je suis très heureuse de m'occuper de ma fille. Pour moi, la richesse, c'est d'avoir du temps pour elle. Donc, je ne souhaite pas travailler. J'arrête pas de changer de place. Ouais, donc voilà, ma richesse à ce moment-là, bah, c'est de me dire, voilà, je peux m'occuper de ma fille, je ne travaille plus, j'ai eu ma fille à 34 ans, je suis trop heureuse, je m'occupe d'elle, c'est un bonheur, c'est une chance, et je sais que c'est très dur quand on est maman, qu'on doit travailler, laisser ses enfants le matin tôt, les récupérer tard le soir, etc. Surtout que moi, bah, je l'ai eu tard, j'ai fait ce sacrifice pour lui, je le dis clairement, aujourd'hui, il est totalement ingrat et pas du tout reconnaissant de tout ça, mais moi, je le dis. Ça a été un sacrifice, j'ai sacrifié ma jeunesse pour cette personne. Et c'est pas un truc de seum ou de ce que vous voulez, mais à un moment donné, putain, il y a des réalités quand même. Il y a des réalités. Donc voilà, j'ai ma fille tard, je m'en occupe et je suis contente. Voilà, donc on mène notre vie comme ça. Bon, bref, il y a tellement de choses à dire, je pourrais faire une story de 8 heures, mais voilà, en gros, cette vie, vraiment, voilà quoi. Les gens, ils croient que c'est kiffant parce que juste t'as un peu de moyens, tu peux faire des belles vacances. De temps en temps. Quand ton gars t'a trompé avec trop de meufs, il te blague avec un sac à main de luxe et t'es contente. Mais en vrai, je vous assure, je vous parle du fond du cœur.
Mais cette vie, elle m'épanouissait, mais tellement pas. Mais le problème, c'est quoi? C'est que quand tu es avec ton mari, que tu l'aimes et que pour toi, t'as affaire, c'est là, c'est ton pied, mon pied, quoi. Tu vois, c'est pas grave, t'as vu? Bah, je me disais, tant pis, aujourd'hui c'est comme ça, demain, de toute façon, il va un peu vieillir, et il y aura moins tout ça, etc. Mais non, en fait, pas du tout. Pas du tout. Et je vais vous expliquer maintenant ce qui s'est passé. Bon, maintenant, il y a trop de trucs de meufs, de tout ça, puis j'ai pas envie d'afficher des meufs, peut-être elles se sont remariées, enfin bref. En mai-juin, par là, il est parti en vacances à Saint-Tropez avec ses potes. Vous savez, quand il est parti et qu'il s'est fait défoncer sa bagnole, coursé par des mecs du sud et tout ça. Bon, bref, c'était ces vacances-là. Faut savoir que juste avant, encore un petit peu avant, il était déjà en vacances avec ses potes en Côte d'Ivoire, mais bon. Tranquille, comme il va dire aux gens qu'il était prisonnier, qu'il n'avait pas, pas de liberté. Bon, j'anticipe déjà. Parce que moi, on me sort des cartes Johnny Depp. Alors, il y a peut-être une carte, c'est, je sais pas, c'est le Uno, tu sais, il y a peut-être une carte, je sais pas. Donc, je préviens tout de suite. Ensuite, il est en vacances, etc. Moi, je commence à recevoir des messages anonymes. Comme d'habitude, c'est toujours, oh, on a vu ton gars avec telle meuf. Attention, nanani, nana. Toujours les mêmes histoires, ça démarre comme ça. C'est Internet, c'est de la merde, c'est pour ça. Donc, je lui envoie un message avec cette photo. Là, tout ce que je vous dis, je vais vous mettre les screens, je suis obligée parce qu'il va dire que c'est faux, etc. Donc, je lui envoie un message et je lui dis, voilà, j'ai reçu des messages anonymes. C'est qui? Marion Pérez. Donc, on m'envoie, attention, ton mari, il est avec une escorte de Toulouse. Elle s'appelle comme ça, elle a fait ci, elle a fait ça. J'en reçois plein, j'en reçois pas qu'un. Je reçois la photo, je reçois l'Insta de la meuf. On me montre les stories de la meuf. Elle est sur des bateaux, sur la côte, en train de sauter dans l'eau avec sa sœur. Et lui, il est sur des bateaux, les bateaux on dirait les mêmes. Bref, donc je suis à la maison, je me dis donc toi, tu m'as dit, tu vas en vacances avec tes potes pour souffler un petit peu, et en fin de compte, t'es avec tes copines, quoi. Mais tranquille, et je lui envoie encore dans les messages, peut-être que c'est des copines qui sont là pour tes potes, tu peux me le dire, peut-être que si, peut-être que ça. Je lui pose toutes les questions calmement, gentiment, comme d'habitude, parce que c'est un nerveux, et que voilà, je lui parle tranquillement. Le gars me dit... Oh, j'ai jamais vu cette fille, je sais pas qui c'est. Vas-y, tu vois pas, c'est encore nos ennemis, mon ennemi, pour ne pas le nommer. L'homme de l'outre-Atlantique. L'homme de Miami, pour ne pas le nommer. Vous savez quoi? Je vais l'appeler. Je vais l'appeler Vol de mort, c'est mieux. Je vais l'appeler Vol 2. Vol 2. C'est Vol 2, son ennemi de toujours, de Miami, qui cherche à nuire, qui veut lui niquer sa vie, etc., etc. Bon, bref. Vol 2 a fait en sorte qu'on m'envoie des messages anonymes pour que mon couple soit chelou. Ok? Donc, vas-y, je te crois. Ok? Je te dis, bon, bah, de toute façon, il n'y a pas de, quand il n'y a pas de preuve, de toute façon, lui, il m'a toujours dit, en gros, tant que t'as pas. C'est pour ça que je ris aujourd'hui de ce qui est en train de se passer aujourd'hui. Quand je lui disais, t'étais avec cette go, là, là, oh, on m'a vu dans un lit avec la go. Il y a une vidéo où je suis dans un lit avec la go. Voilà. Bon, bref, je reçois plein de messages comme quoi c'est une meuf qui brise des mariages, qu'elle s'est fait soulever partout, FC, machin truc, Toulouse, je sais pas quoi. Que des trucs dégueulasses sur la meuf, genre, fais attention, elle, si elle est sur lui, c'est qu'elle veut, elle veut niquer ton mariage. Je me dis, c'est quoi ça? Bref, je cale l'affaire. Vraiment, je cale l'affaire, je me dis, je vais pas me rendre malade, encore une fois, les histoires de meufs, ça me saoule. Le gars rentre et on reprend notre vie. Maintenant, on est en juillet. 19 juillet, l'anniversaire de mon bébé d'amour. Donc, on fait l'anniversaire de mon bébé d'amour et tout se passe bien. Il y a sa famille, à ma famille. Il est rempli de je t'aime, vous êtes mes princesses, gna, tout ça. Et tout se passe très, très bien. Et pour moi, la vie suit son cours. Maintenant, quelques jours plus tard, le mec se lève un matin, il est chelou. Mais quand je vous dis chelou, c'est pas le chelou de le mec. Il est chelou. Et ça dure. Plusieurs jours. Il commence à me dire je vais pas bien, je sais pas ce que j'ai, nanani, nanana. Et un jour, et je vous jure, sur la tombe de mon père, que ce que je vous dis, aujourd'hui encore, je n'en reviens pas, il me dit, et on était là-bas dans le jardin au bout de cette piscine, il me dit, écoute, je sais pas ce que j'ai, Linda, j'ai des voix dans ma tête qui me disent, oui, il faut que j'abandonne ma famille, faut que, je sais pas, je lutte contre ça depuis quelque temps, je vais pas bien, je sais pas ce que j'ai, nanani. Et il commence à faire le genouné en fait. Et moi je le crois. Moi je le crois. Parce que déjà qu'il est un peu bipolaire, je me dis, bon, il est dans une mauvaise phase, mais là peut-être une très mauvaise phase. Et moi j'essaie de l'aider. Je lui dis, mais qu'est-ce que t'as? Viens, on parle. J'ai toujours été là pour... Tout ce que je parle là, je vous envoie les messages après.
Et je lui dis dans les jours qui suivent, on se parle, donc même par message, et je lui dis, ça va aller, t'inquiète pas, si tu veux, on peut faire ci, si tu veux, on peut faire ça, nanana. Et il me dit, non, faut que je parte au bled, j'ai besoin de souffler, ça va. Donc le gars part au bled, et je ne savais même pas quand est-ce qu'il allait revenir, pour vous dire, en mode mutisme. C'est-à-dire, le mec, c'est un autre mec, quoi. Il sait pas ce qu'il a, il y a des voix dans sa tête, il va pas bien, etc., etc. Maintenant, il revient du bled. J'arrive, je le vois, il est là. Il est dans la maison. Je le vois, mais je ne l'ai pas vu. C'est-à-dire que moi, en fait, j'arrive après lui. Et je lui dis, bon, ça va mieux. Tu as vu, franchement, ce que tu m'as fait, c'est dur. Tu es parti, quasiment pas de son, pas d'image. Tu peux pas faire ça, en fait. On est une famille, il faut que tu... Et là, je pose les vraies questions, tu vois. Genre, bon, qu'est-ce que tu as tu veux qu'on se sépare? Tu as rencontré quelqu'un tu veux... En fait, je fais plein de questions et de propositions pour essayer de comprendre son délire. Et en fait, il me répond non à tout. Je m'en bats les couilles des meufs, ça n'a rien à voir avec ça, j'en peux plus. J'en peux plus, je me sens pas bien, je sais pas ce que j'ai, nanani, nanana. Et il me dit, de toute façon, faut que je parte un peu de la maison parce que je comprends pas ce qui m'arrive. Peut-être je vais partir, je sais pas, nanana. Il me sort des trucs comme ça. Je lui dis, mais arrête tes conneries, tu vas partir de quoi? Et je dis quoi à Brooklyn, en fait? Et là, il me dit, écoute, je vais au studio, on en parle demain. Et il part au studio. Et je vais vous dire où j'étais à ce moment-là. J'étais là. 4 h du matin, 5 h du matin, 6 h du matin, 7 h du matin. Il n'y a pas de retour du studio. Vous voyez comment je vous parle à cœur ouvert, là, à des gens que je ne connais même pas parce qu'il a fait ça aujourd'hui. Mais ce n'est pas grave. Je monte là-haut dans ma chambre et je vous montre les signes. Je regarde, il a pris des affaires en scred, il les a mis dans la voiture. Il a pris ses affaires en scred, il les a mis dans la voiture et il m'a dit, je vais au studio, on en parle demain. Quel père de famille fait ça, franchement? Bon, c'est pas grave. Maintenant, il n'est pas là, je lui dis, pourquoi tu me fais ça? Il me dit, j'ai pris un Airbnb dans Paris, faut que je réfléchisse, nanana, il continue son délire. Et là, je commence à serrer, je lui dis, attends, mais tu joues à quoi? On est une famille, là. C'est pas, tu te casses comme ça, t'as cru que c'était la fête ou quoi? Et là, je commence limite à m'énerver, tu vois. Mais qu'est-ce que tu veux faire? Qu'est-ce que tu veux faire, le mec? Qui est dans son délire. Et cette période-là, elle va durer 6 mois. Pendant 6 mois, le gars me dit, je suis dans un Airbnb. Il me dit, ouais, je reviendrai pas, ça va pas, mon cœur est vide, mon cœur est vide, mais je crois que je reviendrai pas, Linda, mais c'est pas grave, nanana. Et il m'a laissé crever ici. Et quand je vous dis, il m'a laissé crever ici, aujourd'hui, je rigole de ma connerie parce que il y a peut-être des meufs qui sont passées par là, mais j'ai vécu une descente aux enfers, mais vous imaginez pas. Ma fille, elle était là, elle me dit. Ma fille, elle était là, mon petit bébé, elle avait que 4 ans, elle comprenait pas. Elle me disait, il est où papa, il est où papa? Enfin, c'est chaud, quoi. Je sais pas si vous vous rendez compte, on peut pas faire ça à quelqu'un, en fait. Et je lui ai demandé, je lui ai dit, écoute, explique-moi, dis-moi les choses. Je lui disais, tu sais, on est une famille, ça s'arrête pas au mariage, on peut très mal être séparés et rester une famille unie et tout ça. Et elle me dit, en fait, je comprenais pas. Et ça a duré, ça a duré. Et moi, je tombe en dépression. Je fais une dépression de ouf, mais une dépression de ouf. Ça veut dire, ce gars-là, il m'a entraînée je souhaite à personne, vraiment. Mais pourquoi? Parce qu'il a été lâche, en fait. Donc, maintenant, pendant les 6 mois, évidemment, il vient prendre sa fille quand il veut. Jamais eu aucun problème avec ça. Il vient prendre sa fille. Bon, il vient en mode, il me regarde pas, il prend la petite isbarre. J'essaie de parler avec lui, vous connaissez au début. On essaye, il vient, je lui dis bon, on parle et tout, il met des stops tout le temps. Donc il prend la petite, il fait sa vie avec elle et elle revient. Et ma fille, quand elle revient, elle a que 4 ans, donc elle a ses mots d'enfant, elle me dit maman, tu sais, chez papa, il y a une femme de ménage, mais c'est marrant parce que elle est là pour faire le ménage, mais elle se maquille comme toi, et puis elle a les cheveux comme toi, et puis je comprends pas, elle fait dodo avec papa, nanana. Et elle commence à me dire des trucs chelous comme ça. Je lui pose les questions. Je lui dis, si t'as quelqu'un, par respect pour mon enfant, j'aimerais savoir si ma fille, elle côtoie une belle-mère, quoi. Déjà, je ne sais pas où il habite. Donc, quand j'envoie ma fille dans le Airbnb, là, je ne sais même pas où ils sont. Il me dit, t'es folle, elle raconte que de la merde, elle a 4 ans. Tu vois pas, des fois, je vous enverrai des messages où il m'a dit ça. Elle a 4 ans, elle parle toute seule, t'es une ouf, arrête de dire n'importe quoi, nanani, nanana. Donc, il fait passer ma fille pour une ouf. Je vous jure que ça, je l'ai encore là. Tranquille, c'est pas grave. Donc, petit à petit, que des dingueries. Des gens qui me disent, on t'a vu tout à l'heure dans la voiture avec ton mari, nan, nan, nan.
On t'a vu dans la voiture tout à l'heure, non, mais c'était pas moi en fait. Donc tu vois, que des trucs comme ça bizarres. Je dis, tu vois, comme si je parlais à ma pote. Bref, ça dure, ça dure, ça dure, ça dure. Maintenant, il nie tout en bloc. Il n'a pas de meuf, il va pas bien, c'est juste que son cœur est vide, il veut pas rentrer à la maison. Voilà, donc on en est là. Maintenant, un jour, voilà, vous le savez, il y a une assurance qui appelle. Madame, pour votre nouvelle maison, on vous a envoyé tel truc, vous n'avez pas renvoyé le papier. Il faut, pour valider le contrat, il faut l'original signé, je ne sais pas quoi. Bon, j'écoute à moitié parce que moi, je n'ai pas de deuxième maison, donc je ne comprends pas. Mais après, je tilte. Je dis, mais je ne comprends pas, vous l'avez envoyé à quelle adresse le truc? Et là, la meuf me donne l'adresse, je note. Je vous jure, une dégaine. Je suis partie le matin, il était, je crois, 10 h. Je suis partie. Vous voyez cette dégaine-là? Encore pire. Je suis partie avec ma voiture. Vous savez, quand ça fait des mois et des mois et des mois et des mois que votre vie, elle est en train de s'écrouler. Je suis partie sur un coup de tête. Je pars là-bas dans la maison. J'arrive devant un pavillon. Et là, je suis en train d'halluciner. Je me dis, mais attends, le gars me dit, il est dans un Airbnb dans Paris. Je vois une maison en banlieue. Je commence à regarder. Et là, je vois une Fiat 500 dans l'allée. Et je commence à tilter des trucs. On m'avait parlé qu'il avait une meuf à qui il avait acheté une Fiat 500. Et il m'avait même dit. Quoi? Moi, je suis tellement un crevard, tu crois que je vais acheter une voiture à une chouin? Je m'en fous, il n'y a pas de voiture, machin et tout ça. Bref, je rigole, hein, aujourd'hui, ça me fait rire. Je saute la barrière. Vous voyez, on raconte nos vies, c'est marrant quand c'est les autres, mais quand. Hein, là, c'est toi, tu vas écouter ta vie maintenant. Je saute la barrière, je fais le tour de la maison. Et je vois une baie vitrée. Et là, je m'approche comme ça. Et je tape dans la baie vitrée. Qu'est-ce qui se passe? Ils se retournent tous les deux. Et là, je vois qui? Marion Pérez. Et je reconnais la meuf. C'est la meuf des messages. C'est la meuf qu'on m'a envoyée des mois et des mois avant. Là, genre, fais attention, il y a une escorte de Toulouse. J'ai reçu que des messages de ouf. Que des messages anonymes dégueulasses, de ouf. Et là, je dis, non, c'est une blague. Je suis choquée, en fait. Mais quand je vous dis, je suis choquée, je suis choquée. Et le gars. Je vous jure, c'est vrai. Il ferme le volet sur moi. Et je me dis, en fait, il ferme le volet électrique parce qu'il va sortir, en fait. Et j'attends. Et le gars, il sort pas. Et ouais, cette scène, en fait, je vous la raconte, c'est un détail, le volet, le truc. Mais en fait, c'est représentatif de sa façon de faire, en fait. C'est-à-dire que. Assume, putain. Ça y est, je suis devant toi. Assume. Pourquoi tu fermes le volet, en fait? Je fais le tour de la maison. Je vois la Fiat de l'autre là, je casse les rétros. Genre, rien à foutre. Vous voyez, je vous dis les choses, je m'en fous en fait. Je casse les rétros, tu vois, genre, t'as le seum, tu. Je casse les rétros et là, le gars, il sort. Maintenant, à partir de là, ce qui s'est passé, je vais pas trop en parler. Je vais pas trop en parler sur les réseaux, etc. Il s'est passé des choses pas jolies. Pas jolies, 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 du tout. Au début, il y a une altercation devant la maison et après, il me dit. Linda, il y a les voisins, nanani, on va descendre dans le garage, c'est mieux. Parce que les voisins vont nous regarder si on nous filme et tout, nanana. Ce qui était un bon argument, effectivement, on est parti dans le garage. Je ne vais pas m'exprimer trop sur ça. J'en reparlerai. En tout cas, ça s'est mal passé. Donc, je pars. Je pars dans l'état qui est le mien à ce moment-là. En ce qui concerne tout ce qui est de l'altercation, des blessures ou des pas blessures ou de ceci ou de pas cela, je vais pas en parler là-haut. Maintenant, je suis pas bien. Je viens de découvrir un truc de ouf. Je comprends qu'en fait, on m'a menti, on m'a manipulé. Bon, voilà, faut que j'encaisse, quoi. Donc, je décide de prendre ma fille et je pars une dizaine de jours aux Antilles. J'essaie de décompresser. J'essaie de. Voilà, je suis dans un état. Que ce soit physique ou mental, qui va pas du tout. Et là, je continue à recevoir des messages anonymes où on me dit, Linda, on sait ce qui s'est passé. Et là, je me dis, oh, on sait ce qui s'est passé, t'as sauté la barrière, il y a eu ce qu'il y a eu. Fais attention, elle est enceinte. Ils ont fait un relais, ils sont mariés et ils veulent te prendre ta maison, ils veulent te démunir, etc., etc. Donc voilà comment j'apprends. Comment j'apprends tout ça, en fait, par message anonyme, encore une fois sur les réseaux, après presque
Parce que 15 ans à passer avec quelqu'un, à tout donner, tu vois, à accepter, à... Je pense que j'ai été quand même, putain, je sais pas, une bonne femme, quoi, tu vois. Je pense que j'ai quand même, je pense que j'ai quand même fait des choses pour lui, quoi, tu vois. Mais même au-delà de ça, à la limite, tu as le droit d'aimer quelqu'un d'autre. Ouais, on s'appartient pas pour la vie, tu as vu, il n'y a pas de problème. J'aurais pu, moi aussi, peut-être un jour, je sais pas, tu vois, aimer quelqu'un et partir. Bon, certainement pas de cette manière-là, mais en tout cas, ce qui m'a profondément choquée, c'est que je me suis dit, mais gars, à quelle heure tu m'as respectée, en fait? À quelle heure tu m'as respectée? Ça veut dire, aujourd'hui, je vous parle, le gars ne m'a jamais répudiée. Je rigole, c'est pour, bon, pour ceux qui comprennent pas, on est marié religieusement, et il faut répudier sa femme quand tu pars, tu la laisses pas comme ça, c'est mon droit qui me répudie. Bref, à ce moment-là, moi, je suis en contact avec un de ses grands frères. Et donc, je dis, voilà, regarde, tu vois, machin, c'est pas bien, on me dit ça et tout, j'apprends ça comme ça, c'est ignoble. Et on me dit, ouais, faut faire une assise, faut qu'on... Je dis, non, moi, je veux plus voir et tout, c'est mort, machin et tout. Et il force, il force, il force. Je fais une assise. Donc, le gars, je l'ai pas revu depuis, boum, boum, tout ça, quoi. Donc, on se voit. Et je vous jure, quelle erreur. Donc, j'explique, il me dit, vas-y. Il me dit, explique ton histoire. J'explique le truc. Et là, le gars... Il fait que parler de sa meuf. Parce que j'ai dit, ouais, je reçois des messages anonymes qui m'ont dit ça, 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 ça. Elle me dit, mais non, c'est pas elle. En fait, c'est parce qu'il y a une copine, elle s'est embrouillée avec une copine, elle, et donc elle l'a trahie, donc elle t'a envoyé des messages. Les copines, ça trahit beaucoup. Qui t'envoie des messages, qui. Mais en fait, non, non, j'ai dit, mais en fait, je crois que t'as pas compris. En fait, je m'en bats les reins, en fait, de ta meuf, de ses copines et tout ça. Je suis en train de te dire, gars, on s'est. Bon, bref, en gros, le mec n'assume pas comme d'habitude. Et du coup, bah voilà, simplement, moi je dis à ce moment-là, ma fille ne va pas dans cette maison. C'est clair. La dernière fois que j'y étais, c'était cauchemardesque. Je viens de découvrir que tu as une meuf. Je sais même pas c'est qui cette meuf. Ma fille, donc, genre, elle a une belle-mère, mais en fait, c'est quoi ce délire, en fait? Pour l'instant, ma fille, elle va pas là-bas. Je dis, tu veux voir ta fille? T'as pas envie de venir ici à la maison parce qu'il y a moi? Bah, je la prends, je l'emmène chez ta mère et tu la vois chez ta mère le temps que tu vois. On comprenne, enfin, faut quand même, tu vois, dans la vie, avoir un minimum comme ça de respect pour les gens. Et moi, je me dis, c'est bon, le mec, il va comprendre quand même, tu sais, de la compassion. Mec, il s'énerve. Le mec, il s'énerve. Ouais, si c'est comme ça, tribunal, jugement, nanana, il commence à partir en couille, il se lève, il se barre. Voilà pourquoi, pendant, déjà, voilà quoi, donc, il a jamais été privé de sa fille, donc après ça, bah, il l'a pris. Quand il voulait, un week-end sur deux. Après, c'était un week-end sur deux, la moitié des vacances. Voilà, après, ce qui me fait beaucoup rire, c'est qu'il dit à quelqu'un, un blogueur là, qui voit pas sa fille pendant des mois et des mois et des mois, sauf que c'est totalement faux. Et c'est en plus, c'est noté dans le dossier qui est parti au juge. Tu l'as écrit toi-même dans le courrier officiel d'un avocat que tu as eu, parce que tu as changé 4 fois. Dans, je crois, le premier ou le deuxième avocat, tu écris, j'ai toujours ma fille, je suis proche d'elle, nanani, nanana. Après, tu dis ça à l'autre, là, mais en fait, sois cohérent. Donc, bon, il a eu sa fille un week-end sur deux, la moitié des vacances, vous le voyez dans ses snaps, il est avec elle tout le temps, machin, tout ça. Bon, bref, c'est pas grave, il a tenté un coup de bluff. Maintenant, suite à ça, évidemment, c'est pas des. C'est compliqué, quoi. Allez, je veux dire, moi, je me dis à ce moment-là, il va m'appeler, il va venir me voir, il va tout m'expliquer. Et j'attends à ce moment-là. Voilà, je vous ai mis les bases du problème de l'histoire. Après, maintenant, je ne vais pas rentrer dans les détails parce qu'il y a des procédures qui sont en cours. Mais on va dire clairement que quand il est parti, il n'a pas fait ce qu'il faut. Il n'est pas parti en mode tiens, t'as vu, bon, j'ai fait lien, je mets tranquille, tu restes la mère de ma fille, tu m'as jamais rien fait, donc tiens, prends ça pour la petite, mais je vous mets à l'abri, tout ça. Non, 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 non. Quand il est parti de la maison, déjà, il voulait me dégager de cette maison. Il faut savoir qu'au bout de 15 jours, qu'il était parti, il était déjà en train de me dire, il faut vendre la maison, il faut vendre la maison. Oh, mes gars, il y a la rentrée scolaire qui vient d'arriver. La petite, elle rentre à l'école là, tranquille. En fait, ta maison, tu vas pas la perdre. Tu as de l'argent, tu as beaucoup d'argent, tu as des moyens. Calme-toi en vrai, tu vois, la maison, je sais pas pourquoi tu es acharné comme ça en fait. Et un jour, il y a un agent immobilier qui m'appelle. En fait, tout ce que je vous dis, c'est certifié puisqu'il y a les papiers. Il me dit, et c'est un ami à nous. Et il me dit, oh Linda, t'as vu, il faut que je vienne prendre les photos de la maison parce que. T'as vu, pour mettre en ligne sur le site. Je lui dis, mais pour mettre en ligne, pourquoi? Il me dit, bah pour la... Il me dit, mais pour la vendre, ton mari, il est venu me voir, apparemment, bah, vous divorcez, vous voulez vendre la maison. Donc, si tu veux que je la mette en ligne, bah, il a déjà signé le truc de vente.
Le gars, il était parti depuis 15 jours. Hein. C'est-à-dire qu'il était encore dans ses délires de voix dans la tête. Moi, j'étais juste restée sur ça. Hein. Mais par contre, il était parti voir l'agent immobilier. Bon, bref. Et le gars me dit, il faut vendre la maison, quoi. Et moi, je suis dans mon début de dépression. Je suis tellement triste. Je vais pas bien, en fait. Et OK, d'accord. Donc, mais non, mais pourquoi et tout, machin. Enfin, je suis perdue, quoi. Et il force, il veut vendre la maison, en fait. Donc, la maison, elle a été mise en vente, mais en vrai, moi, je me suis rétractée. Je me suis dit, mais attends, mais je vais aller où, là, tout de suite, comme ça, dans la tourmente, dans la dépression, dans les problèmes. Ma fille, elle va à l'école, il veut me dégager de la maison comme ça. Mais non, en fait, mais pas du tout, en fait. C'est pas du tout ce qui va se passer, en fait. Donc, la maison a été en vente, je vous montrerai l'annonce, et je l'ai fait sauter, en fait, parce que pas du tout. Donc, voilà, donc, que des trucs sales, en fait, que des trucs bas, que des trucs de lâche, que des trucs dégueulasses. Et moi, pendant tout ce temps, je suis assise là, et je dis rien. Et vous êtes sur les réseaux, et vous me parlez comme si on était toujours ensemble. Et moi, je suis là, je ferme ma gueule, en fait, et je me dis, putain, mais... À ce moment-là, je me dis, mais je veux pas nuire à sa carrière. Je veux pas... ma famille, ma mère, elle n'était pas au courant qu'il était parti. Elle avait un cancer. Je voulais pas l'affaiblir. Je voulais pas... Bref, donc en fait, j'ai gardé le silence. J'ai gardé le silence. Et voilà, il s'est passé d'autres trucs. Bref. Et maintenant, je vais vous expliquer pourquoi tout ça. Je vous ai raconté tout ça. Au bout d'un moment, gars, il dit quand même, t'as vu... faut peut-être verser une petite pension alimentaire quand même sérieuse. Et là, bah, les problèmes commencent parce que l'argent, lui, c'est sa part. Donc là, ça commence à bégayer, en fait. Donc je dis, bon, trouvons un accord amiable, c'est quand même mieux. Donc je suis toujours en relation avec son grand frère. Donc après, voilà, on essaie de trouver... t'as vu, quand même, t'as des bons revenus, t'as vu quand même, nanani, nanana, mais lui, c'est toujours la somme de la pension qui te dérange. Et ça, bon, je ne rentre pas dans les détails parce qu'on est dans une procédure. Je vais vous expliquer pourquoi on en est là aujourd'hui. Tout ce qui est en train de se passer, c'est uniquement à cause de ça. C'est terrible. Donc voilà, on propose un accord amiable. Mais lui, il veut un contrat de confidentialité. Il faut un contrat de confidentialité parce que la loi ne doit pas parler sur les réseaux. Elle ne doit pas ci, elle ne doit pas ça. Or que je ne l'avais pas fait. Hein. Mais je lui mets son contrat de confidentialité. Il forçait, il le voulait. Donc tout était carré. Voilà, pension de temps, l'enfant... Tu le prends tant. Elle doit pas parler sur les réseaux, elle doit pas ci, elle doit pas ça. Or que je l'avais pas fait, hein. Mais je lui mets son contrat de confidentialité. Il forçait, il le voulait. Donc tout était carré. Voilà, pension de temps, l'enfant, tu le prends tant. Toi, tu signes ce contrat de confidentialité. Non, non, non. Il aurait fait ça, il aurait signé. Brrr, c'était réglé. Non, le gars, il veut pas. Le gars, il veut pas signer la pension. Il dit c'est trop. Voilà, donc refus d'accord. Nanani, nanana, nanani, nanana. On me manipule, on me fait croire qu'il va y avoir un accord amiable pour pas que j'aille en justice, en fait. Et ça dure, et ça dure, et ça dure, et ça dure. Et moi, j'ai une famille derrière. Ma famille, ils sont écœurés pour moi. Ils me disent, mais Nina, arrête de déconner. Tu vois pas, le gars, il va jamais signer un accord. Vas-y, emmène-le devant le juge, j'ai faim. C'est bon, déjà, tout ce qu'il t'a fait, nanani, nanana. Et moi, je dis, non, mais ça va s'arranger. Nanana. Ça ne s'est jamais arrangé. Et au bout d'un moment, effectivement, on est obligé de saisir la justice. Donc, on saisit la justice maintenant, date de jugement, paf, ça fait péter le jugement. Deuxième jugement, l'audience. Ah, l'avocat, j'ai changé d'avocat. Maintenant, j'ai changé d'avocat. Elle ne connaît pas le dossier. Hop, on demande des reports. OK. Je vais vous expliquer pourquoi j'ai mis ce message l'autre jour. Il y avait une audience le 31 mai. On devait passer en jugement pour la pension de la petite le 31 mai. Parce qu'aujourd'hui, il donne, hein, mais il donne ce qu'il veut. C'est lui qui a défini le truc. Et c'est très, très, très loin de la réalité de ce qu'il doit payer normalement. Et je ne vais pas donner de montant. Donc, il fait péter l'audience du 31 mai. Tout ça pour... dire à son avocat, non mais c'est bon, je vais signer un accord, on en est à un an et demi de procédure presque, ouais je vais signer un accord, enfin on en est à un an et demi de pourparler et presque un an de procédure. Et en fait, nous, je dis nous, je parle de moi et mon avocate, naïvement, on dit vas-y ok, on te croit, vas-y on va signer un accord, et on est là, on se dit bon bah ok, tu vois, alors l'audience saute, il devait se voir, faire un rendez-vous, je sais pas quoi frère, c'était le 31 mai, on est quoi là. Toujours pas d'accord. Mais on a bien compris qu'il n'y aura jamais d'accord. C'est pas grave. Donc maintenant, l'audience, elle est encore reportée. Mais bon, bref, je vous explique pourquoi j'ai câblé et j'ai mis après une énième manipulation, nanani, nanana. Eh, c'est bon, frère. Tu vois ce que je veux dire? Maintenant, de toute façon, c'est simple. L'audience, elle sera en septembre. Et voilà.
tu peux me faire des blogs et tout ce que tu veux à gogo. L'audience, elle sera en septembre, ça ne bougera jamais. Bon, voilà, parce que moi, je ne vais pas faire votre nuit. Vous n'allez pas faire votre nuit avec moi. Mais en tout cas, voilà, la raison du pourquoi, du comment. Et en fait, il y a des enjeux. Voilà, donc il y a beaucoup de choses qui sont là. Il protège ses intérêts, il protège ses trucs, il protège, voilà. Maintenant, je vais reparler français, parce que là, on rigole. Je reparle français, écoute-moi bien. Tu peux poster ce que tu veux. Ce que tu veux sur moi, du matin au soir. Même les photos en soutif là que vous avez envoyées au blogueur, même que j'ai baisé avec la terre entière, je vais à Sevran, ça te dérange, t'entends que je vais à Sevran, tu dis à tout le monde, mais pourquoi elle va à Sevran? Est-ce que c'est de ma faute si toi tu vas pas à Sevran? Est-ce que c'est de ma faute si toi tu passes ta vie à trahir les gens et t'as des problèmes avec tout le monde? Eh, je m'en nienne, je m'en fous, va poster tout ce que tu veux sur moi. Est-ce que tu comprends en fait que t'as plus d'influence sur moi, t'as plus de pouvoir sur moi et je m'en fous de ce que tu penses en fait? Aujourd'hui, c'est très simple. Je te parle à toi, mais je parle aussi à Tatiana. Moi, je cite les gens, je m'en fous. Tatiana, Romain, toute la clique, tous ceux qui ont fait ce truc dégueulasse qui a été fait aujourd'hui pour essayer de me faire passer pour une ouf, pour essayer de me faire passer pour une timpe, pour essayer de me faire passer pour ce que tu veux. Sortez tous vos messages, faites des trucs, des machins. En fait, t'as pas compris, en fait. Je crois que t'as pas compris. Ça marche plus. Ça marche plus. Et tu vois là où t'as grave déconné, Armand, c'est que les gens s'en battent les couilles de ma vie. Moi, je suis une mère de famille. Les gens s'en foutent de ma life. Tu te fous la honte, en fait. Et tu n'as même pas pensé à ta fille parce que ta fille, elle va grandir. Tout ce qui est en train de se mettre là. Et venez pas me dire, hein, je vous le dis tout de suite à vous, là. Venez pas me dire, tu as pensé à ta fille, maman? Je n'ai pas déclenché ça. Je lui ai juste mis un avertissement pour lui dire, attention, arrête de manipuler parce que les choses vont se faire quoi qu'il arrive. Donc, arrête de me prendre pour une conne, en fait. Donc, postez vos trucs, faites-moi passer pour ce que vous voulez, vous avez deux solutions. Donc maintenant, là, vous tous, là, tous autant que vous êtes, à mettre des messages, si elle a dit ça, c'est que c'est ça, elle a sûrement fait ça parce que lui, un jour, elle a dit ça, écoutez, elle a dit que donc elle a... j'en ai rien à foutre. Mais putain, j'en ai rien à foutre, en fait, c'est ça que vous comprenez pas. Ça veut dire, mais c'est quoi? Tu dois avoir des vidéos de moi, mêlées. Mets des vidéos de moi, même si tu veux. Envoie-les-moi, je les mets moi-même. Vous savez quoi, là, vous tous, là, votre équipe de traits, là, entre vous, faites des petites réunions pour réunir des preuves, des trucs, vous avez que de la merde juste pour salir les gens, en fait. Eh ben, envoyez-moi même des trucs de moi, je les mets moi-même. C'est bon? Maintenant, écoutez-moi bien. Depuis 2 ans que je ferme ma gueule, parce que là, je suis gentille, on rigole et tout. Depuis 2 ans que je ferme ma gueule, il y a des personnes qui m'ont contacté dans tous les sens. Quand je dis dans tous les sens, mais vous avez juste pas idée en fait. Ça veut dire que je savais même pas que tu avais autant d'ennemis en fait. Et c'est pour ça que je vous explique ça. Parce que c'est facile de dire, ah mais on a entendu un audio, elle parle de nana. Bien sûr, déjà je me confie à ma copine, l'autre de trait là-bas. Je lui explique, je lui dis, t'as vu, eux ils m'ont dit ça. Ça date d'il y a 15 mois pratiquement. Ça commence les trucs comme ça, tu vois ce que je veux dire? Donc ouais, il y a grave des gens. Il y a même des émissions de télé qui voulaient, il y a des gens qui m'ont proposé de l'argent pour faire des révélations, etc., etc. J'ai jamais bougé une oreille. Je disais aux gens, vous vous rendez compte? On me propose ci, on me propose ça. Il y a même des gens, ils veulent faire ci, ils veulent faire ça, nanana. J'ai jamais bougé une oreille, ok? Donc maintenant, tranquille. Je reviendrai plus là-dessus. Je te le dis et je te le redis. T'as un problème, tu portes plainte. Si tu crois que dans la street, quelqu'un t'a fait quelque chose, va le voir. Mais la vérité, arrête d'appeler des blogueurs. Tu vas pas monter sur scène, tu vas pas commencer à péra des gros trucs sales et tout. Et les gens, ils vont avoir en tête, ah ouais, lui, le mec, il appelle les blogueurs pour régler les problèmes avec son ex-femme. Mais est-ce que tu te rends compte de ce que t'as fait? Bref, j'ai faim, je vais aller manger. Je voulais juste répondre, voilà, à tout ce qui a été dit. Et que tu retiennes une chose, t'as vu? Continue, hein, tes conneries, je m'en fous. Hein. Balance, t'as peut-être pas encore tout balancé. Balance par lui, par un autre. Je t'ai dit, même si tu veux m'humilier sur les photos que t'as envoyées de moi, je sais que je suis pas une bombe atomique, moi, t'as vu, mais j'en ai rien à foutre, je m'assumerai. Tu vois, si tu veux mettre des photos de moi en maillot de bain, comme ça, j'en ai rien à foutre, en fait. Tu peux dire que je baise avec la terre entière, j'en ai rien à foutre. Tu peux dire que je t'ai fait ci ou que je t'ai fait ça, va porter plainte. Voilà, franchement, tu m'as fait pitié, en fait. Et je crois que t'as pas réalisé, en fait, tu t'es tiré une balle dans le pied, mais tu comprendras plus tard. En tout cas, juste un truc, par contre, que tu ne devrais plus faire, c'est remettre mon rôle de mère en question. Parce que t'as vu, malgré tout ce que t'as fait, hein,
Et là, je parle que des bases et j'ai pas tout dit. Et de toute façon, je vais dire aux gens parce que plein de gens vont attendre des cancans sur toi, etc. Et tu mériterais en vrai que je raconte ta vie, tes mythos sur tout. Il y a trop de mythos dans tes histoires de carrière, de mythos, il y a trop de trucs, mais tranquille, chaque chose en son temps. Ce qui te concerne, toi, ce que tout le monde veut savoir, t'as vu, pour l'instant, c'est là. Mais tranquille, ne m'insulte plus jamais en tant que mère. Ne m'insulte plus jamais en tant que mère. Tu m'as laissé crever toute seule avec un enfant. Je peux te garantir que beaucoup de femmes auraient sombré à ma place. Bon, bref, pour finir, parce que ça me saoule, et puis j'ai jamais autant parlé sur Snap de ma vie, je crois que j'ai pété le cumul de tout ce que j'ai fait dans ma vie de Snap en un Snap. Mon avocate, ouais, je vois pas le rapport. Elle danse en soirée pour faire rire les gens parce qu'elle est joyeuse, parce qu'elle est de bonne humeur, parce que c'est ce genre de personnes en fait qui te font rire et qui te font avancer quoi en fait. Donc c'est quoi le rapport? Voilà, donc amusez-vous, postez, faites vos trucs. C'est plus mon problème, t'as vu, j'ai répondu, j'ai pas passé ma vie à rentrer dans vos polémiques. Vous avez la justice si vous croyez quelque chose. Toi, si tu crois, si s'il y a quelqu'un que tu penses qui t'a manqué de respect, etc., bah tu portes tes couilles, tu vas voir les gens. Et moi, ma vie, tu la laisses tranquille. Je suis célibataire, je fais ce que je veux. Arrête de savoir pourquoi je vais à gauche, à droite. J'ai vu lui, j'ai vu lui, j'ai vu lui. T'es rempli de mythos. Et arrête de vouloir qu'on te respecte alors que tu respectes personne. On te respectera le jour où tu respecteras les gens. Le jugement, c'est en septembre. S'il te plaît, merci de te présenter, mais tu n'as plus le choix, effectivement, car tous les recours ont été utilisés. Donc, voilà, merci, bonne soirée. C'était super cool.